Hey, salut les percutants! Si je vous dis qu'au lieu de créer de leur liberté, la majeure partie des entrepreneurs forgent leur propre chaîne servant à leur asservissement. Vous allez certainement me traiter de taré, et vous n'aurez pas tort. Revenons à nos esclaves capitalistes. Alors oui, c'est un chouïa taquin de les nommer ainsi quand on sait que 1. Je suis moi-même un entrepreneur et que 2. J'en accompagne chaque semaine. En vrai, j'ai envie de vous présenter 3 manières dont les entrepreneurs deviennent de véritables esclaves de leurs conditions. Chacune de ces manières est évidemment bien unique et va nous permettre, quand on en sera aux solutions, de trouver des bons plans d'action pour vous ou pour vos proches. La première manière pour un entrepreneur de devenir un esclave est de construire son entreprise comme un salarié. Comme on est plus formé à diriger qu'à diriger, on a tendance à reproduire ce qu'on connaît quand on crée une entreprise. On va créer une entreprise où on fonctionne comme un salarié, ce qui signifie qu'on aura de petites prises d'initiative, peu d'assertivité envers nos interlocuteurs directs, les clients, et qu'on oubliera qu'à un certain moment, les décisions difficiles doivent être prises par la personne qui dirige. Nous. Ce que je viens de dire sur la décision difficile nous mène directement à notre seconde manière d'être un entrepreneur esclave de son entreprise. Cette seconde manière est de ne pas prendre soin de sa relation au temps et à l'argent. Pour une personne extérieure, la relation qu'ont les entrepreneurs au temps et à l'argent est compliquée à suivre. Les entrepreneurs qui vivent de leur activité vont avoir une capacité à parler d'argent et à être protecteurs de leur temps que d'autres n'ont pas nécessairement. Et ces deux ressources, si elles sont en abondance, créent avec une quasi-certitude, quelque chose d'exceptionnel. La visibilité, la possibilité d'investir l'un comme l'autre sereinement. Alors évidemment, même en ayant du temps et de l'argent en quantité acceptable, il est possible de finir esclave de sa boîte. Comment? Grâce à la troisième option, mon cher ami. Oui, la troisième option, c'est de s'enfermer dans un paradigme. On parle d'enfermement dans un paradigme quand un mode de pensée devient problématique. Je dois lever des fonds, notre produit doit être parfait, le client ne sait pas ce qu'il veut, je ne dois pas lever des fonds et tout faire en bootstrap. Et chacune de ces phrases que j'ai pu dire est un paradigme, une manière de penser qui va conditionner nos actions passées, présentes et futures. Si chacune de ces phrases en question a son utilité, dans les faits, trop y coller devient problématique. Poursuivre une levée de fonds alors que t'as pas ce qu'il faut pour la réussir, c'est un souci. Tu vas te faire baiser. Ne pas la poursuivre est un problème parce que tu risques de couler faute de cash. Bref, l'enfermement paradigmatique est une belle manière de devenir l'esclave de sa boîte. Car s'il n'y a qu'une seule expression, il y a 50 nuances d'enfermement. N'est-ce pas, Christian? Aïe, aïe, aïe. Maintenant qu'on a vu les 3 manières dont un entrepreneur peut devenir esclave de son entreprise, ça semble intelligent de se poser de trouver au moins une solution par emmerde, non? Alors pour le côté entrepreneur de fait, mais encore salarié dans la tête, on est sur un décalage d'identité. Pour attaquer sereinement ce type de situation, le mieux est encore de développer un sens fort. Pourquoi as-tu créé ta boîte? Quel changement vas-tu apporter à ton échelle avec? Si tu as créé cette boîte, c'est bien que ton statut précédent t'empêchait d'avoir cet impact, non? Du coup, pourquoi continuer à réfléchir comme si tu étais ton ancien toi? Tu es ton nouveau toi? Avec ce type de questionnement, généralement, on remet vite du sens dans nos actions et donc de la cohérence dans notre identité. Ça, déjà, une fois qu'on en est là, on est pas mal. Et pour la relation au temps et à l'argent, j'ai déjà consacré une vidéo ou deux à l'argent, elles vont être par là. Mais pour le temps, la dynamique est finalement assez semblable. Le temps s'investit et contrairement à l'argent, il ne peut pas être thésaurisé ou récupéré. Et finalement, c'est encore pire, quoi. Du coup, si on prend ça en compte, les personnes qui te font perdre du temps ou de l'argent sont de véritables dangers pour ton entreprise. De la même manière, les décisions que tu prends sur ces deux aspects de ton business vont conditionner ton succès. Comme je le disais tout à l'heure, si tu parviens à avoir des idées claires sur ton temps et ton argent, en tant qu'entrepreneur, t'es bien. Bon, maintenant, comment on va faire ça? On va commencer par faire évoluer la vision du temps. Combien es-tu payé à l'heure en tant qu'entrepreneur? Ce rendez-vous d'une heure qui sert à rien, il t'a coûté cette somme-là. 120, 150 euros, 200 euros, 300 euros et plus encore, je l'espère pour toi. Si pendant cette heure-là, tu ne produis rien, ne factures rien, ne construis rien, alors tu viens de perdre 3 fois cette heure en termes monétaires, voire plus. Est-ce que ça veut dire qu'il faut avoir une logique financière pour chaque heure de la journée? Non, certainement pas. Ça veut dire que pour recalibrer ta relation au temps, ça peut aider. Pour le pognon, t'as qu'à regarder mes vidéos sur le sujet et tu verras, tu vas être super bien. Reste la putain de pièce de résistance, le cœur du sujet, l'enfermement paradigmatique. On a besoin de piliers sur lesquels construire notre conception d'entrepreneuriat. C'est normal et c'est attendu. Nous avons besoin d'organiser notre pensée, les grands courants de pensée. Effectuation, agilité, bootstrapping permettent ça. Sauf qu'en cherchant à faire sens de tout ça, on en oublie parfois qu'il est nécessaire de s'en dégager. On a vu des personnes enfermées dans un paradigme jusqu'à vivre des choses horribles. Entre ceux qui ne jurent que par la levée de fonds pour leur commercialisation et qui n'envisagent même pas de mettre leurs produits dans les mains d'une petite communauté avant, histoire d'être sûr de pas faire de la merde, ce genre de choses, et commencer à faire du sérieux accessoirement. Et ceux qui pensent que lever c'est le mal et qui se retrouvent en permanence à court de cash pour embaucher ou faire les investissements nécessaires au développement de leur entreprise, on n'est pas sorti du sable. Alors du coup, comment est-ce qu'on brise cet enfermement? Parce que c'est ça qui va nous intéresser. Et c'est toute la délicatesse des situations. Le mieux, c'est de fournir de la donnée
et du contre-exemple. On aura toujours le biais d'exception à combattre. Vous savez le fameux « oui, mais moi, c'est différent », je veux dire... C'est différent. Face à ce biais d'exception, il y a plein de recettes. Et si vous en avez, c'est le moment de les partager en dessous de la vidéo. Car il y a mille manières de faire ça. Et plus on en connaît, mieux c'est. L'idée derrière les données, les faits et ainsi de suite, c'est juste casser les croyances. Dernière idée pour casser l'enfermement dans un paradigme. La massue. Le truc imparable. Le truc qui met minable la potion magique de Panoramix et Didier Raoult. Les faits. Les contradictions de la personne. Et bien évidemment, ses propres hésitations. Maintenant qu'on a vu tout ça... Vous ne pouvez plus dire que vous ne saviez pas. Il va falloir se bouger et casser ces boucles néfastes pour créer ensemble une entreprise qui vous ressemble, qui vous fasse kiffer, qui vous permette de vivre la vie que vous voulez. Allez, bisous!